Israël autorise la construction de plus de 1 000 logements de colons en Cisjordanie. Les autorités israéliennes s'apprêtent à valider les plans de construction de 1 000 logements sociaux pour des colons en Cisjordanie occupée. Sur ce total, 370 habitations vont être construites dans la colonie d'Adam, un haut lieu de tension. Les plans approuvés sont à différents stades de la procédure d'instruction. Sur ce total, 370 logements se trouvent dans la colonie d'Adam, près de Ramallah, où un Palestinien avait tué un Israélien en juillet dernier. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, avait alors promis la construction de 400 nouveaux logements à Adam, comme meilleure réponse au terrorisme, je cite. Une porte-parole de l'armée contactée par l'AFP n'a toutefois pas été en mesure de confirmer le chiffre des autorisations pour les logements, affirmant que les précisions définitives n'avaient pas encore été prises. De son côté, le conseil de Yesha, principale organisation représentative des colons de Cisjordanie, a déploré dans un communiqué que la quantité de logements autorisés soit si faible, je cite. Selon La Paix Maintenant, parmi les 1 004 logements approuvés, 96% sont dans des colonies isolées, soit des colonies susceptibles d'être évacuées par Israël dans le cadre d'un éventuel accord avec les Palestiniens, qui semble néanmoins très lointain. Les colonies israéliennes en Cisjordanie sont illégales au regard du droit international et considérées par une grande partie de la communauté internationale comme étant l'un des principaux obstacles à la paix et à la création d'un État palestinien viable coexistant avec Israël, ce que conteste le gouvernement israélien. Au revoir, bonne nuit.